Ok. Anne, tu veux commencer? Ouais, carrément. Alors, il y a un petit bidule. Ouais, ok. Alors, bah, du coup, bonjour à tous. Nous, on est Anne et Pierre, Pierre et Anne de Printemps écologique. On va essayer de vous présenter un petit peu dans les grandes mailles, donc Printemps écologique, dans le contexte et l'outil en fait syndical et sa pertinence pour les enjeux qu'on connaît tous, je pense. On est face à un public averti. Donc l'idée là, c'est vraiment que ce soit très interactif. Donc au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas du tout à lever la main. Je pense qu'il y a le petit. Enfin, vous pouvez mettre dans le chat une petite étoile et puis comme ça, on prendra les questions au fur et à mesure. Donc c'est vraiment plus une conversation qu'une présentation descendante parce que c'est jamais très agréable. Donc n'hésitez pas à intervenir. Donc voilà, Pierre, si tu veux passer à la première slide, pardon. Peut-être que tu veux te présenter, Pierre, très rapidement avant qu'on commence. Vas-y, commence si tu veux. Donc moi c'est Anne Lecor. Je suis une des initiatrices de Printemps écologique. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille sur le sujet. J'ai un passé de consultante. J'ai travaillé aussi chez Renault dans l'automobile. Et puis voilà. Donc au tout début, on a lancé des initiatives diverses et variées. On arrive à ce syndicat. Et donc moi, aujourd'hui, je travaille à plein temps sur ce sujet-là de Printemps écologique avec Pierre. À toi, Pierre, le bâton de parole. Du coup, moi, c'est Pierre. Je travaille sur le printemps écologique depuis 1 an et demi, un peu après Anne, du coup. Moi, je suis basé à Montréal. Je travaille sur plusieurs projets en même temps. Je suis pas à plein temps sur le printemps écologique, mais on va dire un bon mi-temps. Je travaille notamment sur une. En ce moment, on a, avec des collègues à Montréal, on a lancé un studio en sobriété numérique, parce que j'avais une formation en numérique derrière moi, et j'ai un profil plutôt UX designer si ça parle à certains d'entre vous. Donc voilà. Et je m'occupe au printemps écologique de la partie numérique, design et puis un peu communication qu'on est en train de revoir pour l'année 2. Voilà. Et donc, je réponds de tac au tac à Jérôme. Est-ce que tu connais Tristan Lecor de Shotgun? Non, mais on m'a déjà posé la question. Et donc, il faudra qu'un jour, je le rencontre parce que c'est peut-être un cousin éloigné. Moi, je suis bretonne et Lecor, c'est breton. Donc, à mon avis, on doit être cousin, c'est sûr. Alors, si tu veux passer à la slide suivante, Pierre. Yes. Alors, en fait, vous voyez quelle slide là? Parce que moi, je suis pas sûr de. J'ai un truc de présentateur. Je suis pas sûr de la slide que vous voyez. La première, c'est On est toujours à la même. Ah ouais? Ouais, c'est le time lag. C'est parce que tu es très loin. Ah ouais. Attends, vous êtes toujours à la première slide là? Ouais, oui. Ouais, c'est pas des mensonges. Encore, elle est séparée en deux. Waouh. Elle bug. Bon, attendez, je vais recommencer, hein, je crois. Excusez-moi pour le petit couac. Tac. Ah. Hop. Ah oui, voilà, une Anne Lecor en plus. Okay. Et il y en a pas mal aussi des Anne Lecor. C'est OK. le prénom le plus courant de Bretagne et le nom de famille le plus courant de Bretagne. Ils disent tous ça. Hop. Là, vous voyez bien mon écran? Ouais. Super, en fait, comme ça, c'est comme ça. Du coup, première partie, le constat, je vais laisser Anne commencer peut-être à ce moment-là. Oui. Alors, concrètement, on ne va pas revenir sur les constats et les enjeux actuels au niveau de l'urgence climatique, de l'urgence environnementale, parce que je pense que vous êtes quand même assez sensibilisés sur le sujet et ce n'est pas vraiment le point aujourd'hui. Mais il y a quand même un constat que l'on fait et que vous avez sans doute fait également et qui est important de souligner, c'est que, en fait, la réponse individuelle à ces enjeux-là, elle a un impact très limité et que nous, on considère que la réponse, elle va être avant tout collective.
Et donc, c'est le constat qu'on a fait par rapport à ces enjeux-là, pardon. On voit qu'en tant qu'individu, on peut aller s'engager dans des collectifs, des associations pour répondre à ces enjeux. En tant que citoyen, on va pouvoir aller s'engager, voter pour des politiques, pour des partis, mais c'est assez irrégulier. Et ensuite, en entreprise, on a remarqué qu'il y a une façon de s'engager, c'est la façon de la représentation professionnelle. Dans mon entreprise, je vais pouvoir aller voter pour des représentants. Et que, en fait, cette réponse collective-là, elle n'était pas exploitée et qu'en plus de ça, elle est assez peu connue, finalement, dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les CSE, les représentants du personnel, ça parle à peu de gens. Et qu'en plus de ça, les syndicats traditionnels ont une image hérité de 130 ans de lutte et qui est ce qu'elle est. Et donc, nous, c'est un peu cette partie, cette réponse collective-là qu'on choisit d'investir. Voilà. Donc, du coup, face à ça, on a quand même 25 millions de salariés en France qui pourraient agir à ce niveau-là, sachant que on est conscient que ce sont les entreprises qui ont, enfin, les entreprises ont un bilan carbone global assez désastreux aujourd'hui. Et puis, on sait que trois quarts des actions, selon le rapport de Carbon 4, doivent venir de l'État ou des entreprises. Donc, c'est sur ce secteur-là, nous, qu'on veut agir. Sachant que, voilà, vous voyez les chiffres, hein, 87% des Français considèrent qu'une entreprise devrait impliquer ses collaborateurs dans les actions sociétales et environnementales. 75% considèrent que l'engagement des entreprises en matière environnementale est insuffisant. Et 70% des salariés veulent s'engager dans la démarche RSE de leur entreprise, mais n'y parviennent pas pour différentes raisons. Et donc, avec tous ces chiffres, ça nous donne envie de créer un éco-syndicat, un néo-syndicat. Parce que par les entreprises, on peut agir fortement. Aujourd'hui, il y a différents modes d'action par les entreprises, via la pression médiatique. Mais bon, la temporalité médiatique n'est pas forcément adaptée. Et puis, on fait souvent face à du greenwashing. Et puis, ça reste externe à l'entreprise. Par les lois, on a pu voir avec la Convention citoyenne pour le climat qu'il y a le problème des lobbies qui interviennent dans la boucle et qui ont tendance à dénaturer le contenu d'une loi ou d'une initiative comme la Convention. Et la solution RSE, elle n'est pas assez contraignante. Et en général, elle est séparée, enfin, le département RSE est séparé de la production, donc il n'est pas forcément mis réellement dans la chaîne de valeur. Alors, donc, comme le disait Pierre tout à l'heure, il y a tous ces leviers qui sont externes à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va avoir des moyens d'action qui vont venir de l'extérieur et qui vont faire pression sur l'entreprise. Et on exclut de ça, par exemple, la RSE, parce que la RSE, c'est quelque chose d'interne, mais c'est quelque chose qui ne fait pas vraiment poids dans les décisions de l'entreprise potentiellement. Donc, l'idée, c'est quand même de s'appuyer sur les salariés et de transformer les entreprises par les salariés, parce que ce n'est pas encore un levier qui est utilisé, en tout cas sur les questions environnement et écologie. Pourquoi les salariés sont ultra pertinents dans la transformation de leur entreprise? Parce qu'ils la connaissent. Il n'y a pas de personne qui soit plus au courant des enjeux de transformation de leur entreprise par rapport notamment au secteur, par rapport aux problématiques et aux questions qui vont se poser dans leur secteur d'activité. Et également, ils sont impliqués. Parce que quand leur entreprise va se transformer, ça va avoir des impacts directs sur leur travail et sur leur engagement. Donc, on se dit que l'entreprise doit se transformer et qu'elle doit se transformer par et avec, surtout, les salariés, notamment quand on pense à des questions de mutation de l'emploi, de redirection de l'entreprise, etc. Et donc ça, c'est un petit peu nous, salariés. Enfin, moi, je faisais partie de ce premier collectif qui s'est posé la question et qui s'est dit... J'ai envie que mon entreprise change, j'ai envie de faire partie de cette transformation. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a donc 2 ans et demi maintenant, on a créé un collectif qui s'appelait à l'époque Pro for Climate. Le nom n'est pas incroyable, c'était vraiment une première version.
Mais c'était en tout cas une première version de communauté d'entreprise. Pas dans une seule entreprise, mais inter-entreprise, où l'idée était de créer cette communauté et de s'enrichir les uns les autres pour ensuite porter des actions au sein de nos entreprises. Et donc, on s'est en fait très rapidement, donc on a développé des idées, on a développé des actions, on a été porter ces actions-là dans nos entreprises et en fait, on s'est très, très vite rendu compte d'une part de la portée assez symbolique des actions qui pouvaient être portées et qui étaient faisables, et également du bon vouloir, en fait, qu'on dépendait fortement du bon vouloir des différentes parties prenantes, que ce soit les directions RSE, que ce soit la direction tout court, que ce soit les RH, etc. Donc, on s'est en fait assez rapidement confronté à cette impossibilité de mener des actions fortes qui ont un impact fort et qui soient portées, quelles que soient les parties prenantes qu'on puisse avoir en face. Voilà. Si tu veux, ouais. Alors, ensuite, donc on creuse ce sujet-là, on se dit qu'il y a forcément un moyen d'agir sur ces thématiques-là et on commence à se rapprocher des CSE, des comités sociaux et économiques, et on se rend compte qu'en fait, les élus ont différentes prérogatives qui sont assez importantes et qui permettent d'être en fait des leviers d'action très concrets et qui sont en fait dans la loi, donc qui sont... qui ne peuvent pas être niés en fait par la direction ou par qui que ce soit. Alors je vois qu'il y a. Alors j'ai bien. Ah je regardais le chat. Ok c'est bon. Oui ouais. et donc en fait en se rapprochant de ces CSE, on se rend compte que il existe un outil et cet outil c'est l'outil syndical qui en 130 ans est une espèce de machine juridique à transformer l'entreprise et à défendre les salariés et les travailleurs. Et on se rend compte qu'il a différentes prérogatives, notamment qu'un syndicat au sein de l'entreprise va pouvoir être informé sur les différentes décisions stratégiques, qui va avoir un droit de regard, qui va être capable de mobiliser aussi. On voit sur tous les grands événements sociaux, on voit que les syndicats se mobilisent, qu'ils arrivent à emmener avec eux les salariés, que c'est des syndicats qui vont avoir à la fois un niveau entreprise, mais aussi un niveau inter-entreprise, qui est super important et ce qu'on retrouve un petit peu dans le collectif qu'on avait pensé au départ, et que également, c'est le point le plus important, c'est qu'ils vont être capables de négocier, de signer des accords collectifs. Et donc, en fait, c'est les syndicats qui ont ce monopole de signer des accords collectifs à la fois d'entreprise, de branche ou au niveau national. Et donc ça, c'est super important parce que l'idée, c'est vraiment d'investir cet outil juridique qui a un monopole juridique et qui va avoir un vrai impact sur l'entreprise et sur toutes les entreprises françaises. Donc Pierre, si tu veux, je vais revenir sur la notion de convention collective juste après, mais je vous ai remis cette petite slide pour vous expliquer un petit peu le syndicat. Et donc, tout ce qu'il peut faire, on se posait la question au tout début en se disant « Ok, maintenant, on veut créer un syndicat qui va traiter les questions écologiques et environnementales. Est-ce qu'on a le droit, en fait ? Est-ce que cet outil juridique peut intégrer cette nouvelle dimension qui est actuellement traitée comme un sujet comme un autre par les syndicats traditionnels ?» Et en fait, effectivement, un syndicat professionnel, c'est… son objet, c'est l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels. Donc, on se rend compte, après avoir discuté assez longuement avec des juristes, avec des avocats, etc., que, effectivement, les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, et la défense de ces droits, l'impératif écologique rentre totalement là-dedans. Donc, voilà. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Voilà. Donc là, je reviens directement sur les accords collectifs pour vous donner un petit peu une idée de la hiérarchie et de comment ça fonctionne, en fait. Les accords collectifs, je vais vous donner un exemple assez précis. Les accords collectifs, c'est souvent pour encadrer les conditions de travail des salariés, c'est pour normer, en fait, le fonctionnement, le travail, etc. Et donc, les accords collectifs, ils sont à différents niveaux. Il y a celui d'accord d'entreprise, donc ça va être négocié avec les CSE, les comités sociaux et économiques. Puis, ça va être négocié
collectivement au niveau des branches, donc ça c'est ce qu'on appelle les niveaux sectoriels, et au niveau national. Et ça, c'est négocié par les syndicats. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que la négociation collective de branches, c'est des accords qui vont être signés par exemple la métallurgie, et qui vont s'appliquer ensuite à l'ensemble des entreprises de la métallurgie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus le syndicat grandit, plus il devient représentatif, plus il va être capable de signer des accords avec une portée importante. Donc, c'est un peu un effet boule de neige à ce niveau-là. Pour vous donner un exemple d'accord collectif, actuellement, je vais vous prendre l'exemple de l'accord interprofessionnel sur le télétravail. Parce qu'avec le Covid, il y a eu une modification profonde de certains modes de travail qui, du coup, a obligé une grande partie des salariés à télétravailler depuis chez eux. Sauf que, comme ça n'avait jamais été vraiment le cas, en tout cas à ce niveau-là, pour les salariés, eh bien, il a fallu que les syndicats se posent à la table avec les différents partenaires sociaux. Donc, les partenaires sociaux, ça va être les syndicats patronaux comme le MEDEF, et puis ça va être le gouvernement également. Et ils ont commencé à négocier cet accord collectif interprofessionnel pour encadrer en fait les conditions de travail en télétravail des salariés. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, cet accord va s'appliquer à l'ensemble des entreprises françaises. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée de la portée que peuvent avoir ces accords et la portée que peut avoir un syndicat. Est-ce que là-dessus, déjà, vous avez des questions? Parce que ça peut être… Non? Si, moi, j'en ai une. Ouais. En fait, avec le développement, enfin, toute la start-up économie et tout ça, moi, comme j'en avais fondé une, il apparaît qu'il y a pas mal d'accords, justement, qui peuvent être des avantages quand le secteur est bien fixé, mais il peut y avoir des trajectoires individuelles qui sont pas mal en marge, de ces cadres qui comptent pour les grosses entreprises. Quand on est sur des petites structures, sur des positionnements individuels et tout ça, ça peut être vraiment très problématique parce qu'on peut être forcé de quitter un statut pour envoyer un autre. Et du coup, ça fait des… ça ne rentre pas dans la fluidité de l'ajustement, quoi. Et on rencontre vraiment, ça peut être des barrières importantes parce que ça peut faire capoter un partenariat, enfin plus que ça, une entente, quoi, en fait, dans des contributions. Et comment arriver à résoudre ça? C'est un peu le format rouleau compresseur de ce point de vue-là. Ça a ce bon côté, mais… Là, ce que tu veux dire, c'est que dans les petites structures, c'est ce que tu veux. Ouais. En fait, il y a ce point qui est assez intéressant, c'est que tu as 5 millions de salariés qui n'ont pas de CSE, par exemple. 5 millions de salariés qui sont donc dans des entreprises de moins de 11 salariés. Donc, je viens de voir ça dans le chat. Et effectivement, ces salariés-là, ils ne vont pas aller voter aux élections professionnelles, ils vont aller voter directement pour un des syndicats représentatifs, donc une des 5 centrales représentative au niveau national. Donc, effectivement, cette partie-là, elle est assez… c'est compliqué de suivre un petit peu de suivre la protection et les évolutions de ces entreprises-là et des salariés qui sont au cœur de ces entreprises-là. Et effectivement, tu peux élire un représentant des salariés, mais c'est complètement optionnel, en fait. Ouais, je prends l'exemple, là… moi, dans la boîte que j'avais donnée, il y avait un intermittent du spectacle qui fournissait des sons. Mmh. Et on avait besoin de lui, c'était high-tech et tout ça. Mais arrivé à un certain niveau de mission, il ne pouvait plus rien proposer. Sinon, il était démis de son statut, quoi. C'est méga précarité vite fait. Ouais. C'est intéressant, la partie… En fait, tu as énormément de statuts différents. Tu vas avoir une représentation différente, par exemple, dans le public. Tu vas avoir une représentation différente pour les intermittents du spectacle, effectivement. Tu vas avoir, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est d'actualité, une représentation différente pour les policiers, où là, il va y avoir une manifestation. C'est assez compliqué. Et puis après, il y a toute la partie indépendante. À ce niveau-là, il y a un nouveau syndicat également qui s'appelle indépendant.io. qui se donne pour objectif de défendre et de protéger les indépendants.
pour faire aussi pression et pour que leur voix soit portée à ce niveau-là aussi. Et parce que en fait, ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de protection et il n'y a personne qui représente leurs intérêts. Ah oui, point co, pardon, effectivement. Oui, je suis d'accord. Et sur le point des intermittents du spectacle, si le sujet t'intéresse, on a un syndicat assez actif, nous, qui s'appelle Culture, Média et Télécom. Et la partie cinéma a lancé là, dernièrement une pétition pour faire des bilans carbone sur les tournages. Bon, c'est la petite info en plus, mais pas forcément en lien avec ce que tu disais, mais ça me fait penser à ça. Alors, on vous mettra le lien de la pétition dans le chat juste après, si vous voulez. Si vous voulez, ça invite à la signer. Est-ce que là-dessus, c'est pour vous, c'est OK? Moi, j'avais une autre question. Ouais. C'est Mathilde. Bonjour. Je me demandais comment est-ce qu'un sujet est amené à discussion, que ce soit au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une branche? Eh bien, tu vas avoir différentes modalités. Tu vas avoir d'une part, tu vas avoir les négociations obligatoires annuelles. Donc, ces négociations obligatoires, c'est tous les ans peut-être tous les 2-3 ans, ça dépend des sujets, une négociation obligatoire où le sujet va être rediscuté avec les syndicats et l'entreprise, au niveau de l'entreprise, et les syndicats et la branche au niveau sectoriel. Donc, tu vas avoir cette partie, ça s'appelle NAO. Et ensuite, tu vas avoir tout ce qui est, comme je te disais, par exemple, le télétravail. C'est un sujet qui a été mis sur la table par les partenaires sociaux, qui est avancé, en fait, sans cadre particulier, mais qui est avancé par le contexte. En fait. Ok. Parce que du coup, les partenaires sociaux peuvent demander à ce qu'il y ait une... Je sais pas comment ça marche, c'est une réunion, une assemblée, à n'importe quel moment. Alors, tu vas avoir différents moments dans la vie, dans l'année d'un syndicat. Tu as notamment les commissions. Ça a été mis en place par François Hollande. Ça, c'est tous les ans, les syndicats se remettent ensemble autour de la table avec les syndicats patronaux et ils vont traiter des sujets d'actualité notamment. Ils vont traiter de l'évolution du droit, de l'évolution du travail, ce genre de sujet. Et derrière, ça enclenche des débats, quoi. OK. Donc c'est tout à... enfin, j'imagine que vous allez peut-être en parler après, mais du coup, sur des sujets écologiques, c'est possible d'apporter ce sujet sur la table et d'obliger les autres partenaires sociaux à en débattre. Complètement, complètement. Enfin, c'est notre objectif, ouais, complètement. Okay. En fait, ce qui est intéressant dans les négociations collectives, et là, par exemple, en particulier sur les conventions collectives interprofessionnelles nationales, c'est qu'à la fin, ça va rentrer dans le droit. C'est-à-dire que ça a un impact. Nous, notre objectif, c'est d'intégrer les enjeux environnementaux et écologiques dans le droit et dans le code du travail. Et en fait, c'est ce que permet aussi ces conventions collectives. C'est que, en fait, quand tu arrives au dernier niveau, au niveau national, derrière, ça se déverse dans le droit, et puis ensuite, il y a une loi, et ça devient légal, quoi. C'est la force du... Merci. Est-ce que c'est bon pour vous là-dessus? Donc, ça fait la partie droit, ça fait une bonne introduction à la slide juste après. Parce que, en fait, il y a différents sujets. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'une convention collective, elle peut être intégrée dans le droit. Et on peut prendre un exemple. Parce qu'on nous demande souvent, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez demander, qu'est-ce que vous pourriez apporter sur la table des négociations. On peut penser notamment le droit de refus. Parce que actuellement, il y a quelque chose qui existe qui est le droit de refus. C'est à partir du moment où le salarié considère que sa santé ou sa vie ou son intégrité est mise en danger, en fait, le salarié a ce droit de refus et de dire non, non, moi je refuse de faire ça parce que c'est mauvais pour moi, je sais pas, c'est des gaz toxiques, j'ai pas envie de respirer ça. Enfin voilà, il y a différents sujets. Donc, il y a ce droit de refus. Nous, par exemple, ce qu'on pourrait apporter, c'est ce droit de refus par rapport aux enjeux écologiques. C'est-à-dire qu'on a différents exemples. Par exemple, le syndicat national du transport, où des salariés ont refusé d'exécuter une tâche dangereuse qui pourrait nuire à l'environnement.
On a eu le cas en France aussi, où des salariés, des conducteurs de camions qui transportaient des substances dangereuses, ont refusé de nettoyer leurs camions comme on leur disait, parce que en fait, c'était nettoyer les camions avec de l'eau et c'était directement déversé sur l'écosystème. Exactement, Claire. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que c'est ce genre de choses qu'on peut intégrer dans la loi. Et ça veut dire que derrière, on protège les salariés quand il y a une situation compliquée qui les met complètement en porte-à-faux par rapport à la fois leurs valeurs et ce qu'on leur demande dans le cadre de leur emploi. Est-ce que là-dessus, c'est OK pour vous? Je crois qu'il y avait quelqu'un qui posait la question de savoir comment est-ce que ces salariés vont justifier de ce droit de refus ou de ce droit de retrait. Tout ça est à inventer, en fait. Le droit de refus, enfin, le droit de refus ou de retrait, dépendamment du pays, en fait, après, c'est derrière un avocat, c'est... Vanessa qui ne peut plus parler. Derrière, c'est des avocats, c'est dire, voilà, j'exprime mon droit de refus ou mon droit de retrait et derrière, si ça pose problème à l'employeur et que là, il s'enclenche en fait une espèce de bataille juridique sur le sujet, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, on peut légalement refuser de prendre l'avion pour un déplacement professionnel? Je ne pense pas. Je pense qu'on ne peut pas légalement refuser. Par contre, je pense qu'actuellement, c'est des sujets qui peuvent faire jurisprudence. Ouais. C'est que je pense que si un jour le sujet est sur la table, il y a moyen que ça passe et qu'on commence à en faire une exception de droit, quoi. Je crois d'ailleurs qu'on a des... Il y a eu des... Je ne sais plus dans quel pays, mais des initiatives de la sorte où, en fait, on prend l'argument de la santé future liée à l'environnement comme étant l'argument qui va permettre de refuser une telle action comme prendre l'avion, par exemple. Il faudrait que je retrouve ça. Mais... Du coup, on peut imaginer que certains projets seraient incompatibles avec des engagements de la France dans les accords de Paris, comme on essaie de le prouver vis-à-vis de la politique publique. En Suède. Alors, peut-être que, Jérôme, tu veux expliciter ce que tu voulais dire? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. C'est plus sympa que si c'est oui. Bonjour. Simplement, il y a des procès qui sont en cours, je crois, aux Pays-Bas et en France aussi, avec l'affaire du siècle. Mm-hmm. On pourrait imaginer, parce qu'effectivement, c'est de la jurisprudence à créer, mais on pourrait imaginer que des gros projets... Bon, après, il y a le cas de l'exploitation du gaz de schiste, par exemple, qui a été refusé par le gouvernement précédent en France. Mais on peut imaginer qu'il y ait des grands projets, des grandes directions stratégiques d'entreprises, même privées, qui seraient finalement jugés incompatibles avec des engagements de ces mêmes entreprises-là parce qu'elles sont importantes à l'échelon national ou même vis-à-vis des engagements de la France et donc des trajectoires qui s'imposeraient pour rentrer dans les accords de Paris au niveau du territoire national, par exemple. Bon, après, c'est des choses qu'il faut essayer de faire reconnaître, mais c'était pour illustrer, par exemple, ce qui pourrait être envisagé, quoi, visé. C'est tout à fait l'objectif de l'éco-syndicat, c'est d'être suffisamment nombreux dans une entreprise pour changer la trajectoire stratégique de l'entreprise et qu'elle soit compatible avec le plus possible avec les accords de Paris. Derrière. Ou en dessous des accords de Paris. On peut toujours rêver. Alors, Vanessa, les chercheurs de différents organismes de recherche basalement ont pris la décision de privilégier le train pour leur déplacement. Jérôme, n'est-ce pas ce que stipule déjà le Haut Commissariat au climat? Donc, Jérôme, si tu veux répondre. Moi, j'en sais rien, c'était purement spéculatif, mais j'imagine que c'est ce qu'on peut. Parce que après, c'est bien beau de dire.
Il est légitime de modifier les trajectoires stratégiques des organisations publiques et privées parce qu'il y a le péril écologique, mais n'empêche qu'en droit, après, il faut que ça repose sur des textes et des engagements. Donc, d'où l'idée de l'accord de Paris qui normalement, alors même s'il n'est pas, enfin, le niveau de contrainte et d'opposabilité n'est pas forcément énorme, mais ça nous engage quand même. Et donc, des organisations à la fois publiques, privées, citoyennes essayent de faire valoir ces engagements pour contester des directions qui seraient incompatibles avec ces engagements. J'ai pas d'idée plus précise. Pour donner un exemple, bon, certes, pas forcément très efficace, mais qui est un espèce de début d'introduction dans la loi, c'est la loi Pacte, où en fait on va aller revoir l'objet de l'entreprise et y intégrer des dimensions qui n'étaient pas du tout prises en compte avant. Alors, il n'y a pas énormément d'entreprises qui se sont saisies de ce sujet-là. Mais ça peut aussi être enfin, ça peut être très complémentaire et ça peut venir de ce côté-là également. Nous, c'est la loi Pacte, c'est un peu ce qui nous a aussi poussé dans cette démarche-là, en se disant, OK, l'entreprise, on peut la revoir complètement et c'est un sujet de loi. Donc, c'est intéressant ce point-là aussi. Je mets le pied dans la porte pour la loi Pacte, parce Vas-y. que en fait, on a du mal à. Enfin, j'imagine qu'en tant que syndicat, vous avez eu des avis de juristes à proprement parler, qui puissent permettre de vraiment délimiter assez clairement, disons, le périmètre encouragé et puis le périmètre qui peut être facilement manipulé. Et on a vu dans des cours récents que c'était quand même finalement peu prescriptif. Enfin, en tout cas, c'est normalement une orientation un peu gentille. Ça a été affadi d'ailleurs. C'était un débat entre le Sénat, je crois, et la Chambre, quoi. Donc, enfin, bon. Complètement. C'était un exemple de ce que je disais tout à l'heure, un minuscule pas dans l'introduction de nouvelles dimensions dans la loi. C'est clairement pas du tout suffisant. Très très peu d'entreprises se sont saisies de ça. Enfin voilà, c'est pas. Mais c'est un signal assez faible de l'introduction du droit environnemental, quoi. Et vous avez une position entre les entreprises à mission et le B Corp. Vous avez dû suivre ça. Une position en termes de. Ben, le B Corp, il a l'air plus contraignant, enfin vraiment beaucoup plus contraignant et posé dans des bonnes directions. En même temps, c'est un truc qu'il faut payer super cher. Donc, ça a l'air d'être très contraignant pour beaucoup d'entreprises et ce n'est pas tellement envisageable, d'autant plus que justement, c'est très prescriptif. Est-ce que vous pensez que, par exemple, il y a des entreprises en France qui sont susceptibles soit de se mettre dans le B Corp, soit autrement, autre position, on pourrait imaginer qu'un syndicat comme le vôtre pourrait poser des lignes qui seraient moins des lignes commerciales que le format B Corp, parce que c'est un format qui est justement très, très cher, et finalement pourrait poser, je sais pas, des principes de charte, ou j'en sais rien. Comment on pourrait poser ce genre de choses? Est-ce que vous avez cette possibilité-là en tant que syndicat? Complètement. Alors, pour le moment, on n'a pas du tout encore établi de ligne sur ces sujets-là, étudié. Par exemple, on peut aussi, je pense, s'intéresser aux normes ISO. Enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels on peut auditer et ensuite mesurer l'impact de l'entreprise sur différents sujets. Mais oui, je pense qu'effectivement, à terme, et ce sera aussi le travail du syndicat, d'accompagner les salariés dans la mise en place et en fait juste pousser l'entreprise vers ces indicateurs-là. Et il faudra qu'on soit pertinent sur la partie quel indicateur. Juste Vas-y. pour revenir sur le B Corp, moi je m'étais un peu renseigné parce qu'avec notre studio là, on voulait signer le B Corp, enfin faire partie du B Corp. En fait, c'est pas si cher que ça. Je pensais aussi que c'était assez cher, mais pour une petite boîte qui démarre, en tout cas, c'est de l'ordre de 1 000 $. Et puis même là, je suis en train de regarder du coup le tableau en fonction du chiffre d'affaires par an. C'est quand même assez raisonnable, mais bon, c'est peut-être un détail, mais puis c'est très commercial, comme tu le dis, c'est plus aujourd'hui peut-être un espèce de label de vente, mais peut-être quelque chose à faire de notre côté aussi pour poser des guidelines qui pourraient être suivis par les entreprises. Ça marche.
Alors, on peut passer à la suite, peut-être? Ouais. Alors, oui, donc c'est encore moi. Excuse-moi, Pierre. Non, non, je te prie. Alors, donc, on va revenir du coup un petit peu aux prémices de l'initiative. J'ai commencé un petit peu tout à l'heure avec Pro4Climate, regroupement de salariés pour le climat et qui souhaitent mener des actions et intégrer ces impératifs écologiques et environnementaux dans les entreprises. Donc ça marche pas mal, on rassemble pas mal de monde, mais on se retrouve donc finalement face à ce fameux mur. En mars 2019, donc le premier syndicat Impact France, qui fait en fait un peu partie de notre exploration de l'outil, ça veut dire qu'on a cette idée, on est 25 et on se dit on va tester, on va déposer des statuts à la mairie, on va voir ce que ça donne. Donc, on crée le premier syndicat qui s'appelle Impact et qui est un syndicat interprofessionnel qui est déposé à la mairie. S'ensuit ensuite une année où on a déposé les statuts et puis finalement, on lance en janvier 2020 l'association Printemps écologique. L'objectif, c'est de commencer à parler de l'initiative, de rassembler les personnes que ça intéresse et de lancer le projet. Covid, je vous apprends rien, mars, donc voilà, à la fois on est un peu, on ne peut plus faire de réunions publiques, mais on grandit quand même pas mal en ligne, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, les gens ont du temps, l'initiative intéresse beaucoup, et on se retrouve à faire des réunions de travail avec des gens qu'on ne connaît pas sur plein de sujets différents, et on lance ce syndicat-là en mai 2020. Donc presque à la fin du premier confinement, avec différents syndicats de secteur. L'idée, c'est qu'on ait 21 syndicats sectoriels qui vont représenter un petit peu tous les corps professionnels qui existent en France. Et donc le premier, ça va être service conseil études. Le deuxième, ça va être printemps écologique métallurgie. Enfin voilà, il y a ces structures-là qui se développent. Il faut savoir qu'en fait, un syndicat, c'est un gros morceau législatif, c'est-à-dire que c'est des grosses structures un petit peu lourdes et qui demandent pas mal de paperasse, pardon. C'est à ce moment-là qu'on se tape un petit peu toute cette partie-là un peu contraignante et un peu pénible. Mais en même temps, c'est très cool parce qu'on expérimente. Et puis, il y a aussi l'annonce de notre création officielle le 1er mai. Et puis voilà, un enthousiasme qui continue. En septembre 2020, donc on a les premiers élus aux élections professionnelles, avec dans une boîte de conseil deux membres Printemps écologique qui sont élus au CSE. Et en octobre-novembre, on a un appel qui va être qui a pour objectif à la fois de faire connaître Printemps écologique et qui aussi porte un message assez fort en disant que agir pour la planète, c'est sauver nos emplois. Et là, on rassemble autour de nous pas mal d'organisations de l'écosystème, que ce soit à la fresque du climat, Green Lobby, ce genre de partenaires pour essayer de créer une émulsion. Donc ça marche pas mal, on a plus de 3000 personnes qui signent. Et puis, fin 2020, donc on a plus de 8 syndicats, plus une antenne étudiante, qui est de base pas notre cœur de métier, parce qu'on est un syndicat de salariés, mais une antenne étudiante, parce que forte volonté de certaines personnes en interne créer cette partie-là. Donc voilà. Et puis, en mars 2020, T1, c'est un peu l'achèvement d'une construction juridique qui va être la première assemblée fédérale qui va constituer la Fédération Printemps écologique, qui est en fait un regroupement de toutes les structures, donc les 8 syndicats qui ont été créés, qui va être du coup ce regroupement de toutes les structures et qui va permettre d'avoir une présence nationale. C'est-à-dire qu'on regroupe toutes ces structures, on dit on est un seul mouvement et donc cette fédération nous permet derrière, pour plus tard, d'avoir la représentativité au niveau national. Voilà. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions? Je ne sais pas. Moi, j'ai une question, en fait, sur le choix d'avoir créé un syndicat indépendant. Mm-hmm. Une autre option aurait pu être de dire, on va rentrer dans un syndicat existant et puis mettre sur le devant de la table les sujets écologiques. Ouais.
Enfin, j'imagine que vous avez pesé le pour et le contre, et ça m'intéresse de savoir en fait comment est-ce que vous avez penché sur cette idée de créer un syndicat propre en avantage de se greffer à un syndicat existant. Enfin, ce que je vois, c'est peut-être au niveau justement de la connaissance, ça a l'air assez compliqué en fait, quand même, tout le fonctionnement, et enfin, de connaître tous les rouages et de créer en fait le mouvement lui-même, et puis aussi de créer des liens avec dans toute la France, etc. Je pense que c'est un boulot qui est assez monstrueux. Et peut-être que du coup, un des avantages de passer par un syndicat existant aurait été de gagner la force un peu de la structure existante. Et après, l'inconvénient que j'y vois, c'est qu'il faut réussir à convaincre et puis de mettre, enfin, de rentrer dedans, en fait. Est-ce que vous pouvez nous faire part un petit peu de l'analyse que vous avez faite par rapport à ça? Oui, complètement. Non, mais tu as complètement raison. Il y a une structure qui est un petit peu lourde à mettre en place au tout début. Là, c'est fait plus ou moins, donc voilà, donc c'est une bonne chose de faite. Mais effectivement, nous, quand on a commencé, on a parlé avec des gens de différents syndicats et ils nous disaient, ben, venez chez nous faire ce que vous voulez faire. On pouvait être incubé chez un tel et un tel. On s'est dit que ce n'était pas la bonne chose à faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui, les syndicats traditionnels, ils rassemblent 11% seulement des salariés. On a en France un taux de syndicalisation qui est de 11%. C'est le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Donc, on voit quand même qu'il y a un enthousiasme pour les syndicats qui est assez, je ne vais pas dire faible, mais qui en tout cas n'est pas ce qu'il a été avant. Et on ne voulait pas avoir ce poids un petit peu de l'histoire, ce poids de l'image des syndicats traditionnels. C'était une des premières choses. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a aussi une grande différence dans la ligne, en tout cas, de ce qu'on défend. C'est qu'on va avoir d'un côté des syndicats traditionnels qui sont des syndicats productivistes. Et nous, on va être dans une ligne où on va dire, effectivement, on va pas être productiviste et on va assumer complètement le fait de penser la redirection de certaines filières, de certains secteurs, de certaines entreprises et intégrer complètement les enjeux dans tout ce qu'on peut penser comme évolution du travail, comme évolution du travail et des différents secteurs qu'on peut imaginer. Donc voilà, donc ça c'était un peu les deux très très grandes raisons. Et puis, il y en a une troisième qui, elle, est un peu plus structurelle, c'est-à-dire que les syndicats traditionnels, comme tu l'as dit, ils sont partout. C'est des structures très, très, très lourdes, très, très complexes de Et l'intérieur, pyramidal aussi. très pyramidales, où c'est assez compliqué, en fait, de faire bouger ces structures-là. Et donc, on s'est dit qu'on ne voulait pas s'attaquer à ces espèces de mastodontes et qu'on voulait aussi réinventer l'expérience syndicale et les syndicats. Dans un néo-syndicat où on essaie d'appliquer des principes de gouvernance un peu différents, des principes d'organisation un peu différents. Je ne dis pas que c'est parfait et qu'on y arrive complètement, mais l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir des structures un petit peu plus souples et qui correspondent un peu mieux à ce qu'on a envie de faire et aussi à l'urgence. Parce que pour nous, ça ne va pas assez vite du côté des syndicats traditionnels. Si ça les fait bouger et on voit qu'il y a certaines initiatives qui commencent à prendre racine dans les syndicats traditionnels, eh ben c'est très bien. Ça veut dire que enfin, ça, on va tous dans le même sens et que ça fonctionne. Mais nous, on n'avait pas envie d'avoir ce poids-là et on pensait être plus cohérent et enfin, que ce soit plus facile aussi pour nous de faire de cette manière-là. C'est plus facile de partir d'une feuille vierge aussi pour créer quelque chose de nouveau qui puisse engager à la fois les jeunes, les moins jeunes, mais changer un petit peu l'image du syndicalisme. Par curiosité, la Confédération paysanne, enfin, je ne sais pas si vous êtes du tout sur le secteur agricole, mais là, du coup, ils ne sont pas productivistes à proprement parler. Est-ce que vous reconnaissez un peu là-dessus? Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Est-ce que vous êtes sur la filière agricole? Comment espérer la changer? Enfin, vous voyez Ouais. la ligne. Bah on entend pas mal parler de la Confédération paysanne. Il faut qu'on prenne des contacts avec eux. C'est pas encore complètement le cas, mais effectivement, ouais, j'ai vu qu'ils étaient très actifs dans le pacte avec la CGT, la CFDT, etc. Donc,
je pense que effectivement de ce côté-là, il y a aussi pas mal de choses à faire et il faudra qu'on échange avec eux. Ouais. Pour le moment, en toute transparence, on n'a pas encore de membres qui sont de ce secteur-là. Je me permets de lire la question de Vanessa si son micro est toujours mort. Considérant le faible nombre d'employés syndiqués, comment pensez-vous dépasser ce mouvement de désintérêt du mouvement syndical? Je pense que vous y avez peut-être un petit peu répondu en créant votre propre structure mais, et en vous séparant du poids, entre guillemets, de l'image des syndicats historiques, mais vous avez peut-être d'autres éléments de réponse. On va venir sur la stratégie dans deux slides. Donc vous pourriez répondre si tu veux à ce moment-là. De toute façon, là, c'est juste en gros les chiffres. En gros, on en est à 250 adhérents. On est présent du coup par ces 250 adhérents dans 63 entreprises, 9 syndicats créés. On a divisé l'économie en 21 secteurs. Donc, un syndicat par secteur, comme par exemple métallurgie, éducation nationale, services, conseils, études et d'autres. Donc, il en reste une bonne dizaine à créer encore. Donc, comme le disait Anne, on n'a pas forcément des adhérents dans tous les secteurs encore. Mais du coup, il y a un travail justement de sensibilisation, de communication sur l'outil syndical et sa force, son ambition à faire de notre côté. On a 18 élus et on a un partenariat avec pas mal de ONG, une vingtaine, et des groupes locaux un petit peu partout, même en Belgique. Au Canada. Canada, oui. Donc voilà, ça bouge un petit peu. Et du coup, la stratégie pour construire le mouvement, c'est la suivante. Donc l'idée, c'est de commencer par générer des adhésions dans toutes les entreprises via plusieurs axes. D'abord, sensibiliser sur l'éco-syndicalisme, mais aussi sur l'urgence climatique, notamment via des ateliers presse du climat ou la sensibilisation directement auprès des salariés et via les salariés qui sont adhérents. Donc, recruter, faire effet boule de neige, et puis ensuite accueillir et accompagner sur toute cette mécanique qui peut sembler un petit peu complexe. Notre rôle, ça va vraiment être d'accompagner pour préparer les élections et puis aider à la sensibilisation. Je vois qu'il y a du chat qui s'active. Ensuite, faire campagne sous la bannière du printemps, donc avec des échéances professionnelles qui sont disséminés sur plusieurs années, 2022, 2023, puis ensuite 2024 jusqu'à 2027. Et à la fin, comme on le disait tout à l'heure, imposer une réorientation des budgets CSE et des budgets d'entreprise et transformer le droit via des négociations, des actions dans les CSE et les conventions sur le code du travail. Et donc, pour compléter peut-être un petit peu avec la question de Vanessa, il y a aussi la partie type de population visée parce que dans les syndicats, il y a seulement 3% des salariés qui ont moins de 30 ans dans les syndicats traditionnels. Et donc, il y a aussi cette partie-là où on veut s'adresser aussi à une population peut-être un peu plus jeune et on voit que dans les syndicats traditionnels, il y a énormément de membres qui sont très proches de la retraite. Ouais, en fait, il faut qu'on rende le syndicalisme sexy, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a une image très, très faussée du syndicalisme, en fait. Et notre idée, c'est vraiment d'aller chercher tous ces jeunes diplômés qui prennent conscience là, pendant leurs études ou pendant le confinement. Aller les chercher pour qu'ils soient. Parce qu'en étant plus jeune, on a aussi plus de temps, on n'a pas forcément une famille à gérer, donc plus de temps pour être à la fois bénévole ou actif dans un syndicat. Donc ça peut être. Voilà, ça fait partie de notre stratégie. Et puis sur la partie élection, ce qui est intéressant, c'est que en fait, là, on a mis les échéances des élections professionnelles. 2022, c'est le moment où on va avoir 5 millions de salariés du public qui vont tous aller voter en même temps aux élections professionnelles. Donc ça va être un peu notre première grosse échéance où on va avoir ces 5 millions de salariés et c'est à ce moment-là où nous, on va vouloir aller sur le terrain des administrations et de toutes les instances, enfin toutes les organisations publiques pour présenter des candidats et puis mener une campagne dans ces administrations-là, quoi. Donc ça, c'est vraiment notre première échéance très, très importante où on va pouvoir aller tester
et puis on va pouvoir aller présenter ces candidats-là. Ensuite, il y a dans le privé, il va y avoir les élections. C'est souvent tous les 4 ans, donc ce sera 2023. Et puis ensuite, 2024-2027, il y a le deuxième cycle. Donc voilà, c'est important de voir que ce mouvement, il s'inscrit aussi dans le temps long. On est sur une urgence, on fait le pari d'un outil juridique qui est très puissant, mais qui s'inscrit sur une durée assez... c'est sans doute 8 à 10 ans, quoi. Donc c'est vraiment important de voir cette partie-là et de voir effectivement le temps que ça va prendre, quoi. Il y a Vanessa qui demande comment on fait pour trouver les différents syndicats de printemps écologique, car elle ne trouve pas l'info sur le site. Okay. Ah, je viens de répondre, en fait, c'est dans le livret. Ah, mais en effet, il faudrait qu'on mette d'accord. ça sur le site un petit peu plus en avant. Voilà. Tac, tac, tac. Est-ce que là-dessus, c'est OK pour vous? Je passe à la deuxième partie. Donc, sur la stratégie, actionner les leviers de la transformation. Donc, il y a une première partie qui est ce qu'on disait tout à l'heure, déclencher des diagnostics, des audits de la formation et des revendications de terrain en animant des communautés d'entreprise et en préparant, en fait, ça, c'est un peu ce qui va pouvoir préparer les élections, qui va pouvoir préparer et rassembler autour de ces sujets avant de présenter potentiellement des candidats aux élections professionnelles et les faire élire. Parce que faire élire des candidats à Printemps écologique, ça passe aussi par la construction d'une communauté en amont. Donc ensuite, imposer les négociations et signer des accords d'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à travers les mandats syndicaux et les élus CSE. Et puis, transformer les conventions collectives et signer des accords nationaux qui permettent ensuite d'intégrer ces questions-là dans la loi. Un petit chiffre intéressant, c'est que pour devenir représentatif, c'est-à-dire pour être capable de signer les conventions collectives et donc signer les accords, il faut être représentatif. Ça, c'est un terme important parce que représentatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut atteindre 8% des personnes qui votent dans l'entreprise, des salariés qui votent. Donc, ce n'est pas 8% des salariés, c'est 8% des votants aux élections professionnelles. Donc, ça, c'est important. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a à peu près 49% des gens qui votent en entreprise au niveau national. Donc voilà, il y a moyen d'augmenter ce chiffre-là. Ça, c'est au niveau de l'entreprise. Et puis ensuite, c'est 10% par branche et au niveau national. Je crois que c'est l'inverse d'ailleurs. Mais bon, voilà. On a inversé les chiffres. Donc, ça, c'est important et c'est aussi le pourquoi du comment de ce temps long. Parce qu'il faut qu'on atteigne ces chiffres pour pouvoir signer les accords. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions? Moi, j'en ai une. J'ai vu tout à l'heure dans la chronologie que il y avait eu les premiers élus printemps écologiques. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont... Enfin, je veux bien que tu précises ce point-là parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait un délai de 2 ans avant de pouvoir, ouais. pouvoir prétendre se présenter aux élections professionnelles. Et donc, voilà. Oui, tu as complètement raison. En fait, on n'a pas encore 2 ans d'ancienneté, ce qui veut dire qu'on ne peut pas encore présenter des élus, des candidats, au premier tour des élections professionnelles. Dans une entreprise, généralement, tu peux avoir 2 tours aux élections professionnelles. Le premier, c'est réservé aux syndicats qui ont plus de 2 ans et qui sont représentatifs, donc qui répondent à différents critères. L'indépendance des partis politiques, par exemple, ça en est. L'indépendance financière vis-à-vis des partis politiques. Voilà, il y a tout un tas de critères qui font qu'un syndicat est capable de présenter au premier tour des élections des candidats. Et donc, parmi ces critères, il y a ces fameux 2 ans que nous n'avons pas encore. Quand on dit des premiers élus printemps écologique au CSE, c'est des personnes qui se sont présentées au deuxième tour. Parce que dans une entreprise, quand il n'y a pas de syndicat dans la place et que aucun syndicat n'a présenté de candidat au premier tour, on va pouvoir avoir un deuxième tour et donc ça va être candidature libre. N'importe quel salarié, qu'il soit sans étiquette syndicale, peut se présenter. Et là, pour le coup,
on trust un peu le système, c'est-à-dire que on a des membres qu'on accompagne et qui donc se sont présentés au deuxième tour parce qu'il n'y avait pas de présence syndicale dans leur entreprise, mais qui portent quand même ce drapeau Printemps écologique et qui agissent et qui sont en plus assez actifs. Merci. C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc je pense que nous, on avait fini notre présentation. Là, vous pouvez envoyer toutes les questions que vous voulez, qui sont en rapport, pas en rapport. Pour info, il fait moche à Paris. Comme Pierre, tu es au Canada, enfin au Québec. Donc, du coup, on peut dire le syndicat, là, il a l'air de se placer d'une façon internationale quand même, enfin francophone pour l'heure apparemment. Enfin, je ne sais pas si vous êtes en Belgique, j'ai entendu tout à l'heure, mais en Belgique wallonne, peut-être pas de l'autre côté. En fait, on y va quand même par étapes parce que rien que bosser sur le sujet français, c'est quand même beaucoup de travail. Moi, je suis au Québec pour d'autres raisons, donc Ah, je d'accord. travaille sur le PE par passion, on va dire, mais c'est pas forcément lié avec l'activité au Québec. Mais l'idée, ça serait avant que je reparte définitivement en France, moi, j'aimerais bien créer un groupe local ici, avec des adhérents, pour que l'initiative Printemps écologique puisse se répandre dans plusieurs pays. Peut-être commencer, comme tu disais, par des pays francophones, pour que ce soit plus simple. Surtout que ici, il y a en tout cas au Québec, il y a quand même une vraie prise de conscience au niveau du climat. Je sais qu'il y a 2 ans, il y a une marche climat à Montréal qui a rassemblé quand même 1 million de personnes. En France, je pense qu'on peut jalouser ce genre de chiffres. Pour une capitale, c'est pas mal. Donc l'idée, oui, c'est peut-être de pouvoir ensuite dupliquer en marque blanche l'initiative dans les pays où on pourrait agir là-dessus. Puis, Jérôme, tu voulais parler, je dire. peux compléter là-dessus. En fait, le droit syndical est complètement différent d'un pays à l'autre. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est déjà le droit syndical français est complexe. Alors. Il y avait une question sur l'approche productiviste aussi dans le chat. Tu veux répondre à Anne pour donner plus de détails? Ouais, alors je sais pas trop à quel niveau de détail tu veux aller, mais concrètement, les syndicats traditionnels, même s'ils ont entamé une révolution en quelque sorte en ce moment, ça commence à changer un petit peu, ils sont toujours dans cette idée de production. Parce que, en fait, c'est lié à l'histoire aussi de ces syndicats-là, c'est que, en fait, c'est né dans les usines. Donc, c'est né sur la production, sur l'augmentation de la production, sur. Le travail très lié à l'augmentation de la production. Voilà, il y a toute cette histoire qui fait que les syndicats traditionnels ont cette empreinte très forte de productivistes. Nous, l'idée, c'est de parler, enfin, de remettre en cause cette manière de voir et le productivisme pour anticiper et parler on va parler de décroissance. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on sait que dans un monde fini, on ne va pas pouvoir produire à l'infini. C'est complètement, enfin, c'est opposé. Et qu'il va falloir faire de la sélection sur les activités que l'on mène et les activités de production finalement. Et donc ça va avoir un impact sur les salariés, sur les travailleurs, qui va être très important. C'est-à-dire que on va avoir derrière un discours et un positionnement qui va être, voilà, on prend conscience très concrètement qu'on ne va pas défendre toutes les industries et tous les secteurs parce que ce n'est pas possible. Quand on parle de l'aviation, etc., il y a énormément de secteurs qui vont devoir soit décroître, soit se réorienter complètement, voilà, ou peut-être juste disparaître. Et ça, c'est assumé. Derrière, on va défendre ces salariés-là et on va les accompagner dans cette transition. Et on le dit directement, c'est-à-dire qu'on ne dit pas on va s'adapter sur le moment. On dit il faut prendre en compte dès maintenant ces sujets-là pour qu'on puisse accompagner tous ces secteurs qui vont être bouleversés en fait,
par ces sujets et aussi par la loi, par l'évolution de la société, par énormément de forces différentes. Donc voilà, et ça veut dire aussi sortir un peu de cet affrontement qu'on connaît tous, qui est l'affrontement un petit peu caricatural entre salariés et patrons. Parce que voilà, si on veut repenser l'entreprise, il y a aussi cette question de repenser les relations patron-salarié qui sont un peu, voilà, ces deux pôles et soi-disant, ils pourraient pas parler ensemble. Alors qu'en fait, je pense que si l'entreprise veut évoluer, il faut que cette dichotomie elle soit réglée, quoi. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, n'hésite pas à envoyer un petit... une précision quelconque dont tu pourrais avoir besoin. Top. Je ne sais pas si Pierre, tu veux rajouter, tu me dis. Non, non, c'était hyper clair. Je pense qu'en effet, il faut assumer cette politique de décroissance choisie et sectorisée, et planifiée. Manon et Jérôme, vous avez des questions aussi? Je suis en premier, du coup. Je ne sais pas. Bon, moi, je me demandais comment vous organisez en interne justement pour réaliser justement toutes les missions que vous êtes données, c'est-à-dire déclencher les diagnostics, les audits, la formation, imposer les négociations. Comment vous arrivez à réaliser toutes ces missions? Bah, écoute, bonne question. Comment on arrive à réaliser toutes ces missions? Alors, on a, pour donner un petit peu de chiffres, on a une soixantaine de bénévoles qui sont actifs sur notre environnement de messagerie, donc plus ou moins actifs. On n'a pas beaucoup de personnes qui sont à plein temps. Et ça, c'est très clair. Pour le moment, il y a moi et quelques personnes. Je pense qu'on arrive à deux plein temps en additionnant un petit peu les différentes personnes qui ont plus de temps. Et puis ensuite, il y a tous les autres bénévoles qui donnent du temps en plus. Donc, on a beaucoup, beaucoup de sujets sur la planche. Là, on est en train de faire un gros, gros travail sur la partie priorisation. Et parce qu'on est lancé, on a grandi très, très vite. Maintenant, l'idée, c'est de concentrer l'énergie sur différents sujets. Et ça, c'est un travail qui est en cours de ce côté-là. Et donc c'est à la fois de l'énergie bénévole, c'est aussi beaucoup de passion. Pierre parlait pas mal de fait ça par passion. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on traite les sujets. C'est avec l'énergie que les gens veulent bien y mettre. Et puis derrière, ce travail de priorisation, sachant qu'on a un peu trois objectifs qui va être mobilisé dans les entreprises, formé, parce qu'on voit que l'outil syndical, il y a un énorme besoin pédagogique, en fait, pour expliquer l'outil syndical, ce que c'est, et puis former un minimum sur cet outil-là, qui est un outil pas forcément compréhensible très directement, en tout cas pour le moment et de la manière dont il est présenté. Et puis aussi agir derrière. Et donc agir, ça va être la partie accompagnement des élus et des membres dans les entreprises sur les actions qu'ils vont pouvoir porter. Donc, pour te donner un exemple très précis, ce qu'on met en place là, actuellement sur la partie action, c'est un peu un catalogue d'actions qui ont déjà été mises en place par des membres qui va pouvoir permettre et servir d'exemple aux nouveaux membres qui vont arriver. Et l'idée, c'est que surtout, c'est qu'ils puissent trouver derrière l'idée d'action et derrière les gens qui l'ont mis en place pour avoir des retours d'expérience, pour s'enrichir les uns les autres et faire grandir ces initiatives-là dans leurs entreprises. C'est un peu les trois actions. C'est vraiment agir, former et mobiliser. Ou dans le sens que tu veux. Merci. Je me permets de prendre mon tour. j'ai quelques questions et du coup la remarque sur la dichotomie entre patron et employé me fait du coup penser à autre chose. Mmh. Mais, la question, c'est de savoir... Donc, première question sur deux. La première, c'est savoir si vous avez des priorités stratégiques en termes de secteurs qui seraient peut-être plus réceptifs que d'autres ou d'entreprises qui seraient aussi plus réceptives que d'autres, mais aussi suffisamment grandes pour vous faire gagner aussi en termes de représentativité.
Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est du coup, est-ce que vous avez une politique en termes de gouvernance? Parce que je pense que quand on a une stratégie qui vise à du coup réformer la manière de fonctionner des entreprises, revoir aussi leurs priorités, s'attaquer à la dichotomie entre possédants et employés et salariés, bah, forcément, le sujet de la gouvernance doit être clé. Donc voilà, c'est ma deuxième question, peut-être même suggestion en termes de priorité que j'avais à vous poser. Est-ce que Pierre, tu veux parler parce que je parle plus que toi, je crois. Bah moi, je peux répondre sur la partie stratégie si tu veux et tu peux prendre la gouvernance, sans se partage la réponse. En tout cas, moi, ce que je répondrais sur la stratégie, Anne, tu me diras si on a bien la même vision, mais l'idée, c'est justement au contraire, enfin, ça pourrait être. On aurait pu se dire, on va par exemple se focuser sur le secteur service ou le secteur, je sais pas, métallurgie. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de toucher tous les secteurs pour ne pas être vu comme un syndicat de cadre ou un syndicat uniquement de service, mais plutôt aller cibler moi, je pense qu'une stratégie intéressante serait de cibler plutôt des tranches d'âge, mais dans différents secteurs. Pour garder quand même une espèce de complétude, non, c'est pas un bon mot pour le définir, mais voilà, être complet dans l'éventail des métiers qu'on couvre et des secteurs qu'on couvre, parce que la transition passe par par tous les secteurs, en fait. Tous les secteurs doivent faire des efforts, donc je pense que ça serait dommage de se concentrer seulement sur quelques secteurs. Mais en effet, du coup, ça divise nos énergies. Mais après, on voit aussi que, bah, par exemple, là, le secteur service, tu me dis si je me trompe, Anne, mais je crois que c'est un des secteurs où on a le plus d'adhérents. Mais ça, c'est plus de. Sans faire exprès, en fait, quelque part. C'est parce que, voilà, c'est les gens qu'on a touchés en premier, du fait de nos cercles respectifs, etc. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. En fait, peut-être que je peux reformuler, mais je vous aide pas beaucoup quand même, donc vous avez forcément des moyens limités. Et donc, peut-être que plus qu'en termes de stratégie, parce que j'entends bien que du coup, il faut s'adresser à tout le monde, vous ne voulez pas être un syndicat sectoriel. Bon, d'une certaine façon, est-ce que vraiment c'est une nécessité de ne pas être sectoriel? Est-ce que ça ne peut pas être aussi un parti pris de devenir sectoriel ou plurisectoriel, mais peut-être en oubliant aussi certains secteurs ou en se focalisant plus sur d'autres, je ne sais pas. Mais du coup, est-ce que peut-être, pour reformuler ma question, vous avez identifié des priorités, quoi, je veux dire, ou en tout cas des endroits où peut-être qu'il y a moyen de prendre peut-être un peu plus de place plus rapidement. Là-dessus, il y a deux sujets. Si je peux compléter, Pierre, ça te va? Je t'en prie, je t'en prie. Le premier, c'est la taille de l'entreprise en termes de stratégie. Parce qu'on va avoir des grandes entreprises qui ont un impact plus significatif que les petites, mais qui ont en plus de ça une présence syndicale très forte. Donc, c'est un endroit où il est un peu plus difficile de se faire une place en tant que syndicat. Et par contre, à côté de ça, il y a plein de petites, moyennes et un peu, voilà, moyennes entreprises qui vont avoir peu ou pas de présence syndicale et où, en fait, ça va être beaucoup plus facile de s'implanter. Donc, dans un premier temps, et on le voit parmi les adhérents actuels, on s'implante plus facilement et c'est plus dans ces entreprises-là qu'on est pour le moment. Et donc, c'est très bien parce que ça nous permet à la fois d'expérimenter et ça nous permet de grandir dans ces entreprises-là qui sont beaucoup plus nombreuses que les grosses entreprises, par exemple, du CAC 40. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, sans doute que la stratégie, elle va être, à ce niveau-là, ça va être en deux temps. C'est dans un premier temps les petites moyennes entreprises qui n'ont pas ou peu de présence syndicale et ensuite les très grosses entreprises avec une présence syndicale importante. Ensuite, au niveau des secteurs, pour répondre, je pense qu'il y a deux choses. C'est que on parle à certains secteurs un peu plus qu'à d'autres, en tout cas dans l'état actuel des choses. Comme disait Pierre, on va avoir le printemps écologique service conseil qui va parler un peu plus parce que en fait, il cumule à la fois les tailles d'entreprises moyennes et petites,
Et aussi une présence syndicale très faible parce que c'est un secteur un peu plus neuf que, par exemple, la métallurgie. Et ça, c'est un état de fait parce qu'on a plus de bénévoles sur ce syndicat-là, il grandit plus vite et c'est un peu plus facile à ce niveau-là. Naturellement, on a un peu cette priorisation qui se fait. Et le deuxième point, c'est qu'il y a certains secteurs qui sont, je pense notamment à la métallurgie. Les deux plus gros secteurs chez nous, c'est service conseil et métallurgie. Et métallurgie qui va avoir du coup une approche complètement différente parce que un secteur qui va être amené à évoluer très très fortement. Et avec des salariés, des membres de Printemps écologique qui sont très très au fait de se dire, voilà, c'est un secteur qui va évoluer et en fait, pour le coup, Printemps écologique est pertinent parce qu'il faut qu'on l'anticipe. Et donc, je pense que ça va se faire un petit peu comme ça, et ça se fait actuellement comme ça, en tout cas, c'est que on parle un peu plus directement à certains secteurs, et donc on grandit plus sur ces secteurs-là. Et donc, forcément, on met un peu plus d'efforts sur ces secteurs-là parce qu'il y a plus d'énergie qui est mise. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. Et par contre, pour la métallurgie, pour le coup, c'est des grosses entreprises généralement. Donc, si tu veux, ça se fait aussi par la force des choses, quoi. Et est-ce que ça veut dire, par exemple, que des secteurs qui sont très impactants écologiquement, par exemple la métallurgie, pourraient regorger de salariés plus sensibles à ces causes-là? Et donc, du coup, est-ce que ça voudrait dire que vous pourriez cibler, je ne sais pas, moi, l'aéronautique, par exemple, ou un autre, hein. C'est une suggestion, quoi. Du coup, si on tire le fil, vous vous dites, bah, par exemple, il y a le service et le conseil, où là, il y a des organisations peut-être plus agiles, peut-être aussi plus de PME, donc ça recoupe aussi l'autre axe. Ça, c'est une chose, mais aussi, on se rend compte que des secteurs très impactants, notamment la métallurgie, sont aussi plus réceptifs, ou en tout cas, une partie des salariés se rendent bien compte qu'ils sont en plein dedans, quoi, en gros. Et donc, du coup, ça prônerait des stratégies orientées vers des secteurs très impactants et peut-être, je ne sais pas, l'aéronautique, peut-être l'énergie, peut-être autre, je ne sais pas, autre chose. Oui, tu as raison complètement. Mais en fait, comme on est encore sur du bénévole et que on est organisé un petit peu par secteur, service conseil va grandir et aéronautique, c'est un très bon exemple parce qu'on a plusieurs adhérents qui sont de ce secteur-là. C'est effectivement ça, c'est que on met aussi l'énergie sur les secteurs. En fait, idéalement, si tu fais ta matrice, tu vas avoir en haut tes low hanging fruit, là, comme on dit dans le conseil, les fruits qui sont les plus importants. Idéalement, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est les entreprises. Les grandes entreprises avec un fort impact. Sauf qu'en fait, c'est à la fois les plus compliqués. Donc, tu vois, en fait, on a une stratégie où on va tendre vers ça, mais entre-temps, on développe ce qui est facile, on développe aussi ce qui est impactant. Donc voilà. Et après, c'est aussi en fonction du nombre de personnes qui sont touchées par le message. Alors, on a des questions. Est-ce que c'est OK pour toi, Jérôme, ou... N'hésite pas. Oui, merci beaucoup. D'accord. Alors, j'ai vu des questions dans le chat. Je comprends que l'organisation des élections par corps, ouvriers, employés et agents de maîtrise peut aussi être un frein pour vous d'entrer dans les instances de représentation. Non. Alors, Céline, pour le coup, pas forcément. En fait, les instances de représentation du personnel, tu as souvent différents corps. Tu vas avoir des représentants professionnels pour chacun de ces corps que tu vas appeler généralement c'est ouvrier, profession intermédiaire, cadre. Enfin, tu vas avoir un peu trois catégories et tu vas avoir des représentants professionnels pour chacun de ces catégories. Peut-être que tu peux définir peut-être frein pour vous. Je vois peut-être que tu as un élément complémentaire que je n'aurais pas identifié. Alors, c'est peut-être pas enfin, à tort hein, que je me posais cette question, mais effectivement, comme moi, je me souviens dans l'entreprise dans laquelle on était 250, 300, hein, on variait toujours dans cette.
il y avait en fait du coup les syndicats qui représentaient les cadres, et mais il y avait très peu en fait d'employés. On était une assez forte population d'agents de maîtrise et de cadres. Mais du coup, je me demandais, vous, syndicats, est-ce que vous deviez, pour rentrer dans les représentations des entreprises, on va dire qu'on, par exemple, qu'il y a, on va dire à 50-50, par exemple, est-ce que du coup, vous êtes obligé d'avoir deux branches dans votre syndicat pour vous adresser aux professions représentatives, ouvriers employés par exemple, et une autre branche qui s'adresse plus au cadre, ou finalement c'est le même syndicat qui peut représenter les deux. C'est le même syndicat qui peut représenter les deux. D'accord. Tu vas avoir des différences souvent dans les entreprises en fonction des corps parce que tu vas avoir des identités syndicats qui seront différentes. Oui. C'est principalement ça. Tu vas avoir des syndicats qui vont parler plus à la partie ouvrier, d'autres plus au cadre. Tu vois, tu as des syndicats qui, dans leur nom, ont cadre, tu vois. Donc, c'est plus ça généralement que c'est plus comme ça que se fait la répartition. Mais après, non, nous, on a un syndicat de secteur qui va représenter que ce soit les cadres, professions intermédiaires et ouvriers ou agents de maîtrise, qui vont représenter au niveau du secteur et ça va représenter tout le monde. Et du coup, là où vous intervenez, est-ce que vous avez déjà eu des premières, dans vos échanges avec les DRH, est-ce que vous sentez un intérêt plus particulier à votre type d'approche aussi d'un point de vue représentation? En fait, c'est pas encore quelque chose qu'on a pu expérimenter, si tu veux. Parce que justement, comme on n'est pas au premier tour des élections et que pour le moment, on a pas mal de petites entreprises ou moyennes entreprises, on n'a pas encore de grandes entreprises avec des corps très différenciés. Et en plus, voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut qu'on attende 2 ans pour avoir des candidats à ces élections-là. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment le sujet sur la table. Ce qu'on se dit quand même, c'est que la question écologique et l'impact de l'entreprise sur la société, c'est assez. Enfin, ça regroupe en fait. Et que peut-être la distinction qu'on peut faire entre les cadres, ouvriers, etc., elle sera moins forte à ce niveau-là. Moi, je trouve enfin, je trouve le positionnement très intéressant, en fait. Et c'est là que je m'interrogeais. Je me disais que je pêche peut-être par optimisme, mais je trouve qu'il y a un vrai levier d'intérêt potentiel aussi pour les directions. Complètement, complètement. Ouais. Bah, globalement, un sentiment un petit peu macro, global, c'est que les directions sont assez positives à ce niveau-là sur l'arrivée d'un nouveau syndicat qui traite ces questions. C'est pas, pour le moment, c'est pas quelque chose qui est vu d'un mauvais œil. Ok, merci. Vinciane, ça c'est étonnant, non? Bah, pas tellement parce que c'est le début. Effectivement, ça va sans doute évoluer. Sans doute qu'on aura des réactions plus ou moins diverses et variées en fonction des entreprises, mais pour le moment, pas forcément. On a pas mal, par exemple, de gens de la RSE qui sont super intéressés par l'initiative. Qui se disent, ah, enfin, des communautés dans les entreprises qui s'intéressent sur les sujets et qui se structurent. Il y a 3 mains levées. Je n'ai pas vu l'ordre. Mais... Comment? Alors, oui. Je crois que c'est à moi. Moi, j'avais une question sur le financement des syndicats, en fait, parce que là, du coup, vous travaillez de manière bénévole. J'imagine qu'à partir du moment où vous serez élu, enfin, je ne sais pas si l'un ou l'autre vous le souhaitez, mais en tout cas dans l'équipe, j'imagine qu'il y en a qui vont essayer d'être élus et d'avoir du temps dégagé pour travailler sur ces sujets en entreprise et potentiellement, j'imagine, pour le printemps écologique. En fait, la question que je me pose, c'est comment marchent les syndicats en général? Parce que si tout est porté par le bénévolat, ça, enfin, je trouve que c'est assez fragile finalement et assez. Donc, comment marchent ces autres syndicats et à quel moment est-ce qu'on peut avoir des gens qui s'investissent
tout en étant rémunéré par l'entreprise, en fait. Pierre, si tu veux que je prenne cette question, tu me dis. En fait, on peut répondre ensemble. Les bénévoles, nous, c'est surtout pour la partie association qui propulse l'éco-syndicalisme. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura des élus, les élus, du coup, ce sont des employés, ils sont rémunérés, ils ont du temps pour faire ce travail-là. Et surtout, le syndicat en lui-même, la fédération syndicale, qui est à différencier de l'association, aura un budget aussi du fait de sa représentativité. Et du coup, on pourra employer des gens dans la fédération. Anne, si tu veux compléter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, on a un an et donc on est sur une structure complètement bénévole. Les syndicats traditionnels, comment ils sont financés? Ils sont financés un petit peu de deux manières. La première, c'est que les entreprises vont reverser à l'Institut du dialogue social 0,016% de leur masse salariale brute. Et ça permet le financement global du dialogue social. Et donc ce financement-là, il est ensuite reversé aux syndicats pour la gestion des organismes paritaires, pour la gestion des formations, pour leur fonctionnement. Voilà, cet argent, il est redistribué en fonction de la représentativité des syndicats. Par exemple, si moi je suis la CGT et que je suis le deuxième syndicat de France, avec, je me rappelle plus des chiffres, mais quelque chose comme 20%, je représente 20% de représentativité de tous les salariés qui ont voté, je vais avoir 20% de cette somme-là. Je vous fais grosse maille, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que quand on a des élus, quand un syndicat a des élus, il a en fait une ressource en nature, c'est-à-dire qu'il y a du temps alloué pour les élus sur le travail de représentation professionnelle. Donc, c'est un peu les deux manières. Nous, donc comme on disait au début, c'est des bénévoles. Le temps qu'on soit représentatif au niveau national ou en tout cas sectoriel et qu'on récupère un peu de cette manne de 0,016% de la masse salariale brute de toutes les entreprises, il y a le temps. Donc, la première source de financement qu'on a pour le moment, c'est les cotisations. Pour le coup, et là, je vois un peu, c'est un nouveau concept, c'est-à-dire que moi, par exemple, moi, je suis bénévole à plein temps, c'est-à-dire que pour le moment, je suis au chômage. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour le moment. Mais effectivement, avec la croissance, et pour les premières années en tout cas, notre principale source financière, c'est les cotisations des adhérents. Et c'est pour ça que c'est très important en fait cette partie-là, c'est que pour qu'on grandisse et pour qu'on puisse passer à l'échelle, il faut que nos membres et qu'on ait de plus en plus d'adhérents qui payent leurs cotisations. Et donc voilà. Céline, c'est 0,06% de la masse salariale brute des entreprises. Non, je dis une bêtise, je dis 0,16. Excusez-moi. Voilà. Mais en fait, aussi actuellement, l'association a bénéficié d'un financement de l'ECF, l'European Climate Foundation. On fonctionne un petit peu comme ça. On essaie d'aller chercher des financements via l'association. Et la problématique, parfois, c'est que quand on cherche des financements, on peut nous dire non parce que, en fait, on promeut un syndicat, donc c'est trop politique pour certains financements. Donc, ce n'est pas toujours très facile. Donc, du coup, c'est ça, on compte sur la masse des adhérents pour financer aussi le mouvement. Je vous mets aussi le texte de l'appel, si vous voulez, dans le chat. Vas-y Frédéric ou Jérôme. En fait, on dit beaucoup qu'en ce moment, finalement, les politiques des entreprises, enfin je veux dire internes, dépendent beaucoup du pouvoir des actionnaires,
Et comme les actionnaires sont de moins en moins, si on peut dire, solidaires de l'affaire et sont de plus en plus opportunistes par la prolifération des fonds, des choses comme ça qui sont sur les dynamiques très très courtes du point de vue du suivi des actions, est-ce que, on va dire, ce changement du point de vue des pouvoirs qui interviennent dans l'entreprise ne pose pas de difficultés, voire ne compromet pas dans une certaine mesure l'action syndicale? Est-ce que vous pensez que c'est un obstacle, quoi, disons? Et est-ce qu'il y aurait moyen d'agir directement à l'étage du dessus, quoi? Je veux dire, celui de la financiarisation, celui des financiers, sachant qu'il y a une part quand même qui individuellement deviennent convaincus qu'il y a quand même une urgence écologique, etc. Donc, c'est leur logique d'organisation qui, pour une part, en tout cas, répondrait de leur activité, de la façon dont ils agissent, plus que de leurs convictions propres. Donc, du coup, il y a une forme de schizophrénie. Peut-être qu'il y a un moyen... Est-ce qu'il y aura un moyen d'entrer dans ce nœud? Justement, c'est pour créer ce rapport de force que... Enfin, pour équilibrer le rapport de force que... L'éco-syndicalisme a sa place là-dedans, je pense. Anne, si tu veux répondre plus en détail. Ouais, bah, je pense que c'est ça. Après, effectivement, mais ça, c'est pas nouveau. C'est que c'est effectivement un obstacle supplémentaire, comme on peut en avoir. On en a beaucoup, hein, de ces obstacles. Effectivement, la gouvernance de l'entreprise. Elle doit être également repensée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une réflexion globale sur l'impact de l'entreprise et de l'administration sur la société sans repenser ses modes de fonctionnement. Et là, du coup, je rebondis, je crois, sur la question de Jérôme au tout début, mais on ne peut pas repenser ça sans repenser les gouvernances des entreprises. Et quand on parle de gouvernance, on parle effectivement des actionnaires, de la direction, on parle des salariés, on parle... De l'État, on parle de plein de parties prenantes différentes, et ça rentre là-dedans, en tout cas, je pense, pour les actionnaires. Donc, effectivement, mais ça, c'est un des sujets qu'il va falloir traiter et qui est, alors, un obstacle, je vais dire une chaise qu'il faudra sauter dessus, enfin, voilà. Mais non, oui, c'est un des points qu'il va falloir qu'on traite en plus de tout le reste, ouais. Mais c'est le pouvoir des groupes d'actionnaires, quoi. Parce qu'encore, si tu disais... Donc, il y a cette espèce d'organisation... Enfin, voilà, c'est ça qui est difficile à toucher, quoi. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a la solution de mettre un syndicat dans les fonds, ouais, c'est au sein des fonds, hein. Et puis aussi, on voit de plus en plus. C'est encore très à la marge, mais il y a des fonds qui se mettent quand même certaines lignes de conduite en termes d'investissement. Il faudra aussi que certaines banques arrêtent, enfin, ce n'est pas du tout le cas encore, mais il y a quand même des lignes d'investissement qui doivent être prises et qui seront prises petit à petit, quoi. Mais est-ce qu'une stratégie pour vous, ce n'est pas justement d'hyper signaler ça? Ouais. En fait, une chose à la fois, là, par exemple, on a écologique. non, je suis complètement d'accord avec toi, on a à peu près. 10 000 sujets sur l'assiette. Ouais. Pour le coup, ça, c'est un peu complexe, je pense, pour le début. Et je ne sais pas si c'est très lisible, en tout cas, pour beaucoup de gens. Je pense que ça l'est, mais je pense que ce n'est pas forcément la première accroche qu'on pourrait avoir. Mais je pense que ce n'est pas évident, cette articulation avec les fonds, étant donné qu'ils financent, comment dire, des collectivités, étant donné qu'ils financent des bases de retraite et des choses comme ça. On a un système qui est en train de se bouffer lui-même, on se mange nous-mêmes. Et donc, cette histoire de la nano-finance et compagnie, c'est quand même un truc qui est essentiel dans le fonctionnement effectif, hystérique, on pourrait dire, de nos sociétés, de ces appels à la consommation, en même temps qui est très peu compréhensible par beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui croient encore que l'économie, c'est la loi de l'offre et de la demande et tout ça. Enfin bon, et c'est biaisé de tous les côtés, surtout par les hyper-concentrations. Et à plus forte raison, quand c'est les fonds qui reconcentrent encore. C'est un truc un peu dingue. Ouais. Et j'ajouterais à ça quand même qu'il y a certains... en fait, un fonds qui va investir sur des entreprises et qui ne va pas avoir d'influence sur les entreprises qui financent,
en prenant en compte l'évolution et à la fois juridique et l'évolution et l'impact sur l'environnement, c'est un problème. Et je pense qu'il y a de plus en plus de fonds qui se posent la question aussi. Bon, ça, c'est en complément de ce que tu dis, mais moi, je suis d'accord avec, avec tout ce que tu viens d'évoquer. Et effectivement, c'est quand même pas très lisible. Non. Donc, c'est un sujet. Mais notre rôle, ça va être aussi de créer le débat dans les entreprises, de venir communiquer sur ces sujets et ensuite de créer des moments dans les entreprises pour parler de ces sujets-là, prendre des décisions, des directions, et que ça vienne du bas, en fait. Et dans cette idée de venir du bas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de blocage qui est un peu symbolique. C'est l'idée que, et je vois que vous le fuyez, enfin c'est quelque chose contre lequel vous vous placez vraiment, c'est de représenter la cause écolo, enfin je mets les guillemets, bobo, etc., bourgeois, bohème, le truc. Tu vois, c'est finalement des gens qui sont moins dans la nécessité, qui peuvent se poser ces questions-là. Du coup, ils sont haïssables, parce que c'est divisé pour mieux régner, par ceux qui sont dans le dessous. Et donc, finalement, du coup, on n'arrive pas à faire passer les messages instruits, en quelque sorte, parce que le but, évidemment, c'est de manipuler par le brouillage, le but de certains, en tout cas, on joue par le brouillage de l'information de ce point de vue-là, parce que du coup, le collapso ou en général, les formes de conspirationnisme tombent à point, parce qu'elles arrêtent justement l'argument, quoi, en quelque sorte. Finalement, c'est un complot, et du coup, on n'arrive plus à mener ces trucs-là. Donc, il y a un défi de l'instruction, de ce point de vue-là, de la conscience, pour qu'il y ait un effet du bas sur le haut. Et ça, c'est vraiment... je trouve que c'est un blocage important dans notre époque, quoi. L'idée, c'est quand même aussi de faire en sorte que... Parce que la représentativité, parce que la représentation professionnelle, ce soit aussi simple. Quand moi, je suis salarié, que je n'ai pas le temps de forcément de penser à ces sujets-là, que ce soit aussi simple de voter pour un représentant qui va porter des idées et des enjeux environnementaux et écologiques. Ouais. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que moi, dans ma boîte, par exemple, c'est assez simple, c'est que tous les 4 ans, on nous envoie un lien pour aller voter. Moi, j'ai vu aucun syndicat qui me représentait. J'ai voté parce que je voulais voter, et donc j'ai quand même voté pour un des syndicats qui était présent, mais aucun ne prenait suffisamment pour moi en compte les enjeux dont on parle, et l'urgence climatique. Donc, c'est ça aussi le pouvoir du syndicat, c'est que ça permet de faciliter la représentation à ce niveau-là. Et en fait, on est conscient qu'il y aura différents niveaux d'engagement. On veut toucher à la fois des gens qui vont voter, comme disait Anne, pour nos représentants, mais on ne demande pas forcément à tous les votants d'être impliqués comme le sont les élus ou les bénévoles. Nous, notre travail, ça va justement être de vulgariser la lutte écologique, et puis surtout de la paralléliser avec le secteur ou l'entreprise en question pour que ça soit plus concret dans les actions à mener. Et il y a aussi un sujet, comme tu le disais, Frédéric, d'essayer de sortir de ce schéma de l'écologie des blancs, des cadres, qui sortent d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs. C'est le sujet suivant que vous allez évoquer avec Jérémy, décoloniser le sujet écologique, parler autant à l'ingénieur de polytechnique qu'à la mère au foyer ou la mère de famille, à n'importe qui en fait, et sortir de cette écologie très, très partie, très politique. C'est des questions qu'on se pose, on en a discuté avec des bénévoles, c'est de même se poser la question, est-ce qu'on doit garder le vert dans le printemps écologique, est-ce que le vert en fait n'est pas connoté, est-ce que vu qu'on a écologique dans le nom, est-ce qu'on a besoin de mettre du vert, on se pose aussi ces questions là est-ce qu'on ne mettrait pas du orange comme la CGT? Non. Ouais. Ou juste du noir, c'est... Merci. Alors Vanessa, avez-vous connaissance de mouvements syndicaux similaires dans d'autres territoires européens ou autres? Non, on n'a pas de connaissance de mouvements syndicaux similaires. C'est sans doute une des premières initiatives de ce type. Il y a quand même aux États-Unis une association qui s'appelle Blue Green, qui a pour mission d'intégrer dans les syndicats déjà existants ces questions de transition. Mais c'est pas encore
En tout cas, on n'a pas d'éco-syndicat, on n'a pas d'exemple d'éco-syndicat à proprement parler ailleurs. Le terme éco-syndicaliste a été inventé il y a à peu près 10 ans par un syndicaliste qui a essayé en fait d'intégrer ces questions-là, enfin les questions de transition dans les syndicats en disant voilà, nous on a notre place et on a une voix à donner sur ces questions. Et en fait, bon, ça n'a pas appris à l'époque. Mais pour revenir sur les pays européens, on n'a pas encore exploré, mais on devait le faire il y a quelques temps. Ça fait partie des nombreuses choses qu'on doit faire, c'est de rentrer en contact avec des syndicats des pays comme la Suède, qui sont assez en avance là-dessus. Mais pareil, ça demande en fait du temps et des bénévoles pour se focus là-dessus. Donc c'est, ça fait partie des chantiers à mener de notre côté. Donc appel à bénévoles, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Pierre n'en manque pas une. Manon. Alors, Vinciane, nous travaillons sur un projet autour de la redirection du secteur aérien. Comment peut-on avoir la liste des entreprises de ce secteur dans lequel le PE est déjà représenté? Là-dessus, ce que je peux te proposer, c'est qu'on en discute après et qu'on te mette en contact potentiellement avec des membres de ce secteur-là. Parce que c'est un peu compliqué pour nous d'avoir la liste, en tout cas de communiquer la liste des entreprises, parce que derrière, ça fait appel à des données confidentielles. En fait, un syndicat a une obligation, c'est de garder la confidentialité sur ses membres. Moi, ce que je peux faire, c'est de leur demander s'ils sont OK pour que je vous mette en contact, et puis après, ça roule, quoi. Si c'est vraiment la demande. Ouais, avec plaisir, ouais. Écoute, renvoie-moi un petit mail là-dessus. Je te mets mon email dans le chat. Merci. Et je crois qu'il y avait Mathilde qui avait une question aussi. Jérôme. Yes. Moi, j'avais une question sur votre écosystème. En fait, c'est qui les personnes avec qui vous travaillez? Est-ce que... sur quel type d'alliés vous pouvez compter? J'arrive pas trop à me représenter en fait le paysage du syndicat. Est-ce que vous êtes en contact avec des chercheurs, avec des... Vous parliez d'ONG. Enfin, vous pouvez vous appuyer sur qui en fait pour faire passer les messages? Vas-y, Pierre, si tu veux. En fait, on contacte un petit peu toutes les gens qui nous semblent pertinents. Par exemple, Alexandre Monin, qu'on a pu contacter récemment. À la fois pour nous aider à réfléchir sur la construction de ce chantier-là, de repenser l'expérience syndicale. On monte un chantier avec des bénévoles sur le design de services autour de l'éco-syndicalisme. Et puis ensuite, on va chercher plein de partenaires associatifs pour nous relayer et nous accompagner sur la création de formats pour éduquer, pour sensibiliser. Anne, si tu veux compléter, mais... Par exemple, là, tout à l'heure, on a un rendez-vous avec le chef de projet qui a géré le rapport du shift sur décarboner la culture, pardon, pour faire écho avec notre pétition. On les rencontre pour voir un petit peu comment on va pouvoir travailler ensemble. Mais voilà, il y a déjà des initiatives en cours. Anne, si tu veux compléter. Ouais, comme tu dis, en fait, l'idée, c'est quand même pas qu'on réinvente la poudre pour agir dans les entreprises. Il y a énormément de parties prenantes qui ont l'expertise, que ce soit sur la sensibilisation, que ce soit sur le dialogue social, que ce soit sur l'information et la veille, que ce soit sur la production d'analyse. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même qu'on s'appuie sur cet écosystème-là et qu'on les fasse rentrer par notre outil syndical dans les entreprises. Et qu'en rassemblant cet écosystème, on ait une force de soutien envers les adhérents qui sont dans les entreprises en fonction de leurs besoins. Donc, comme disait Pierre, on va avoir du coup des associations de sensibilisation, de pédagogie sur différents sujets, que ce soit le changement climatique, la biodiversité, enfin énormément de sujets de ce type. Mais on va aussi avoir des expertises plus dialogue social, comme des formateurs sur... les mandats de représentants de personnel. On va avoir des juristes aussi qui vont venir nous appuyer parce que c'est un outil un petit peu pas si compliqué en réalité, mais qui demande un petit peu d'expertise. Et donc
On va avoir aussi des entreprises, que ce soit des cabinets de conseil, qui vont venir re-questionner l'entreprise. Je pense notamment à... Enfin, il y a énormément de choses. Et puis, il va y avoir tous ceux qui sont sur la production, par exemple, d'audit, les bilans carbone. Voilà. En fait, il y a tout cet écosystème que nous, on veut faire rentrer vraiment dans l'entreprise. En disant à un adhérent, bah, écoute, voilà, tu as tel ou tel besoin, tu as besoin, tu as envie de porter cette action, tu penses que c'est critique sur tel et tel sujet, ben, nous, on connaît des gens et on vous met en relation avec, avec eux et c'est des partenaires et on facilite en fait cet aspect-là. Et je me demandais si vous connaissiez un collectif qui s'appelle Les Collectifs. Ouais. Vous êtes en contact avec eux? Complètement, ouais. Ah ouais. Okay. Très complémentaire comme initiative. C'est un peu ce qu'on avait fait au tout début avant de se dire que l'outil syndical, c'est ce qu'on voulait exploiter. Et donc, non, carrément, des échanges super intéressants. Ils sont un petit peu en amont de la démarche et nous, on est en aval, donc c'est cool. Ok, cool. Vanessa, une approche particulière auprès des collectivités territoriales en projet en cours. Sur les collectivités territoriales, pas particulièrement. Pas encore identifié en tout cas. Peut-être que tu as une idée précise en tête. Ah, tu n'as plus de micro, c'est ça? Ok. Très bien. En fait, ça va être crucial et ça va être clé pour 2022. Parce qu'il va y avoir les élections du public. Mais effectivement, c'est un secteur central. Et donc, à ce moment-là, on va... En fait, là, cette année, on est sur vraiment une phase de structuration, de mise en place un petit peu de l'organisation. Parce que comme on a grandi très vite, il y a un moment où il faut qu'on se pose et qu'on se structure sur nos modèles d'organisation et sur la manière dont on fonctionne. Et 2022, ça va vraiment être l'année où on va commencer à mettre en place cette campagne pour ce secteur. Et donc, effectivement, il y aura des particularités, je pense, collectivités territoriales, collectivités, enfin, fonction publique hospitalière, fonction publique d'État. Donc, tout ça va être un peu, va être vu avec chacun ses spécificités et puis en face, un plan d'action et une stratégie spécifique. J'ai dit, je crois, trois fois spécifique dans la phrase, il faut m'arrêter hein, quand je fais ça. Yes, les collectifs, très très chouette. C'est un méta-collectif. D'autres questions peut-être? On est presque à 56, il nous reste 4 minutes je crois, avant que vous ayez votre prochaine intervention. Peut-être que vous avez envie de prendre un petit caf ou pour tenir le reste de la soirée. vous me dites ainsi... Si c'est tout est clair pour vous. Moi, j'ai une question pour vous, du coup, sur votre formation. Est-ce que vous êtes... est-ce que c'est toute la journée? C'est plutôt le soir, le cours? Comment ça se passe? C'est le jour et la nuit. Ok. Ah ouais. On est connecté, Vinciane. À la base, c'est le mercredi, jeudi, vendredi. Mais il y a des ateliers qui viennent se rajouter un peu le lundi et le mardi. Et puis on a des... Ça dépend des personnes, mais on a des commandes qui ont démarré à différents moments de l'année. Et du coup, sur lesquelles on bosse... Du coup, les lundis et mardis et les week-ends. Quoi. Donc, c'est plein temps, quoi. Vous n'avez pas un boulot à côté ou, enfin, c'est... Dans la théorie, c'est possible. Il faut demander à Alexandre. Okay. Dans la réalité, c'est un peu compliqué. Ok. Mais c'est comme vous, en fait. C'est sur ces sujets-là, c'est compliqué de mettre une limite. Et après, chacun individuellement doit placer le cadre... Ouais. Pour trouver un équilibre, trouver une écologie personnelle. Mmh. C'est un autre sujet. Très belle phrase.
j'aime beaucoup trouver son écologie personnelle. Ouais, très important. Si on veut tenir dans le temps, ça fait écho à ce que vous dites. Hein? Ça fait écho à ce que vous dites sur le temps long. C'est si ouais, personnellement, on veut réussir à tenir sur le temps long, bah, il faut aussi se ménager et trouver un équilibre. Très vrai. Parole de sagesse. Pour ma question, je dirais juste que je signe pour tout le monde si des gens ne viennent pas au cours. Donc, on peut tout à fait faire l'école buissonnière sans conséquences et consacrer à ses activités si on le souhaite, personnel, professionnel ou autre. Ok. Donc, c'est bon, vous avez l'autorisation pour ne pas venir ce soir. C'est ça que tu dis? En fait, c'est des ateliers qui sont facultatifs par définition. Ok. Donc, qui ne sont pas corrélés à des cours, à des crédits ECTS. Et même les cours corrélés à des crédits ECTS, de toute façon, si les gens ont autre chose à faire, tout le monde est dans des situations différentes, personnelles, vite dans des lieux différents, à distance, en France, pas en France, etc. Et du coup, on essaye malgré tout de s'adapter à tout un chacun. Donc, voilà. C'est top. Ok. Ah oui. Je comprends. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Et puis, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, on est à disposition. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup. J'ai mis le, si vous souhaitez, au cas où, hein, mais j'ai mis le lien vers l'intervention de Jérémy dans le chat. Donc, si vous voulez assister à son intervention, n'hésitez pas. Et puis, on va bientôt basculer. Ça roule. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.